Voilà. Bon, bien le bonjour tout le monde, 73 à tous. Et là, c'est l'intro de la deuxième vidéo, hein, qui sera sur la chasse au renard, comme je vous avais dit dans la vidéo précédente. La chasse au renard, les vidéos de Dominique, les photos. On remercie Alain F4GIV. Voilà. Et Batima aussi. Parce que ce sont quand même, ils ont été gentils. C'est vraiment quelqu'un, une boutique qui est au top. Hein. Voilà, 73. Et n'oubliez pas les pouces, les petits messages, on essaiera d'y répondre. Collinéaire et une antenne 2 mètres horizontale là. Ici, fabrication 5 OM. Trouver les OM à l'intérieur. Ouais, parce que là j'ai activé le filtre numérique. Caradome le filtre. Il faut qu'il relance son appel. Ouais, faut qu'il appelle. Là. Attends, il va peut-être qu'il relance un appel. C'est dommage, je l'appelle plus. J'aimais bien la qualité. La filtrer, défiltrer. Ah ouais. Ça marche bien. Quel le bruit. Elle est pas merdant. Ouais. Encore, après, tu peux augmenter. Tu peux augmenter le filtre. Là, je peux. Bon, après ça détruit un peu la module la voix quand même. Mais bon, c'est déjà pas mal. Oui. Bah, bon, allez, faut activer Joël. Hein. Ouais, dans un contest dans un contest de 2 mètres. Allez, hop, on appuie et on lance le PM. Hein. Alors voilà. Il y a plus de café dans le secteur ou vous demandez? Multiple fréquence utilisée, le 27. Ici la multibande HF, fabrication OM, avec les plans de sol des radiants au sol, sur le sol. On trouve une antenne 432 ici. Peut-être fabrication de OM là, avec une boîte plexo. C'est vieux, il marche à merveille. Fais attention, il y a du brigand là. Il est. Oui, appel général de Florida 5, uniforme italien en ensemble, pour Scott 5, United Italian November Portable. Colin, rappel CQ10, Foxtrot 5, United Italy November Portable, Florida 5, Uniform, Italy November Portable, QRP, Colin CQ, standing by, please, over. On va défendre ces années, hein. Ah ouais, ça c'est déjà tout. Il y a de la sensibilité, hein. Ouais, mais... Appel 10 mètres, appel 10, appel 10 mètres, 28, oui, appel 10 de Florida 5, uniforme Indien Novembre portable.
F5 uniforme Italie novembre portable, activation Tango Mike Bravo 1000 MB, lancement Mike Bravo, département 54, appel et repasse à l'écoute. Voilà notre ami F5 8M. Mon ami J.E., très content de le retrouver à chaque fois. Voilà, je le dis via les ondes. Florida 5, United Italy November portable. Il y a même la série dessus. Ah ouais. United Italy Nancy portable. Colin Secchi, standing by. Peut-être que tout à l'heure, c'est un cavalier. Ça 24-32. On fait quoi, Joël? Bon, qu'est-ce que t'en penses? Ah, c'est bon. Bonsoir Dorian. Non, je me dirige vers toi. Bah, je lui ai demandé, tu sais, hier, moi je fais du portable. Il dit, attends, moi j'en ai un 12 volts. Moi j'en cherche depuis longtemps un 12 volts. C'est 141. C'est du volant. Non, c'est du 430. Bon, c'est le système qui m'a intéressé. Parce que moi je suis obligé de sortir. Moi je suis obligé de sortir. Plein pôle. Tourner en tête. Et avec ça. Florida 5, United Italy Nancy Portable, Florida 5, United Italy November Portable, Colin Secchi et Stanley. Ça décoiffe, hein? Qui c'est qui veut un pocket? Parce que. Ouais, moi, t'as un accélérateur récepteur dans tes mains, il faut qu'il trouve. Hein. Elle est cachée alors? En vertical ou en horizontal la balise? Bah, en vertical. C'est quoi la fréquence? Nascar, elle est mise en route ou pas? Nascar. Je ne dirai pas. Allez, il y a un peu tout là. Cherche un renard. Ah bon? Jamais, vous regardez. Il y a un peu tous les types de postes. Là, il y a le Belge. Bien souvent. Ah, ouais. Le Dorian avec un Yazu Bofin. Non. Ton Yazu. T'avais vu Dominique, hein. Il marche que des tâches. Oui, oui. C'est ton mari, c'est pas. D'accord, pas de problème. Allez, ben merci. Hein. Salut, merci de ta visite. On va de rien. Hein. Je me suis fait violence quand je l'ai connu. Je peux pas lui faire un mètre. Un an d'attente. Bah, en tout cas, ça fait plaisir. Oh, bah, il me l'a même pas dit. Il faudrait quand même qu'on se mette souvent. On a 3 km à l'heure. Ah, mais il est beau, hein, comme pour ça, là, il est comme. Ouais, ça va vous aider. Hein, je savais pas, ça me c'est dommage qu'il n'y a plus Chris avec ses maîtres à venir. Voilà, voilà, le départ de la chasse au renard. Avec ma petite femme qui chasse aussi sur le côté, Moon. Voilà. Elle cherche. Il y a une balise 27 et une balise 446. Ah, ça va rien. Et tu aurais pu nous montrer la gueule qu'elles avaient, les balises. Ah, bah non, je ne sais pas quoi ça ressemble. Ce serait trop simple. Oui, je ne les ai pas vus, les balises. Alors, Dorian. Mais je suis sur 46, gars. Trop haut l'antenne. Hein? Trop haut l'antenne. 043-75, c'est ça? 043-75, oui. Elle n'en voit pas tout le temps, c'est emmerdant, ça. Elle est vers là. Là-bas. Ouais. Elle se rapproche? Hein? Elle se rapproche? Ouais. Oh là, on est tout prêt. Hein? Là. Voilà. Elle est vers la main. Oh là! Ça, c'est quoi ça? Non? Attends, on va tourner le dos pour voir. Faut toujours... Oula! Ah oui!
là-bas. Ouais. Là, faut la trouver. Hein. Là-bas, hein. Ah, c'est sûr, elle doit être dans le secteur. Dans les ronces. Non ? De toute façon, le personnel du GF n'a pas le droit de jouer. Hein. Ah ouais, je trouve plus. Plus c'est à l'horizontale, hein. Elle est là-dedans. Joël, t'en penses quoi? Horizontale ou verticale, c'est? Vraiment horizontale, hein, c'est un tout type qu'ils ont modifié. Je l'ai 5 là. Elle est pendue, donc. Joël, R. Elle est dans l'air ou quoi? NASCAR. Ah, ils cherchent, hein. Les OM cherchent, mais personne ne trouve. Ils doivent brûler. Faut l'atténuer. Changer d'antenne. Hein? Changer d'antenne. Non, j'ai sans gain. Ah oui. Bien joué. T'auras ton indicatif. Il faut la trouver. Il y a des chardons lorrains là-dedans. C'est dangereux ici. Non, ça c'est une bouteille. Il y a des bouteilles. Ah, j'aurais amené mon mesureur de champ. Oh. On va aller vers ici, hein, Dorian. Oui, on va la trouver, le chef, là. Non. Alors, ça bite. Ouh. C'est de la C-double, Joël. On devrait pouvoir décoder ça. C'est tout près, ça. Ouais. Après, c'est emmerdant parce que tout près, bah, faut diminuer le gain. C'était quoi la balise, moi? C'était quoi là? Oh, c'est un petit Arduino ou un petit truc qui rayonne avec peu de milliwatts. Bah, après, la voir, mais... bah, après, tout près, bah, il aurait fallu l'antenne. Bon, est-ce que Dorian va trouver? On ne sait pas, il cherche. Qui est en bleu de mon classé. Elle n'ira ou pas? Ah, ma gauche. Attention, action, la balisation. Mais where is the balise? Non, il n'y en a pas. Non, on n'entend pas ça. Ouais, pourtant, c'est costaud. Oh, bah... Ah, c'est une petite boîte de 10 cm par 5. C'est un paquet de cigarettes, quoi. C'est un peu casse-gueule, ton truc, là. Oh, tiré. Ah non, ça... T'as du sac de nœud, là.
battu-le. Ah bah disons. Ah bah alors. Voici les résultats de la chasse au renard. 446 mégas. 446 mégas. Nous avons la chance d'avoir quelqu'un qui a des super antennes pour trouver une balise sans PMR. Il se nomme Cédric. F4JUU. Alors, tu as la chance d'avoir ce fameux CRT Spacey 5, Spacey V, d'accord, 2 mètres, offert par Batima Électronique. Ah ben, merci. On a pour vous. Bravo. Merci. Je fais la bise à qui ? À Batima. À Batima. Voilà. Je ne connais pas. Eh ben, tu apprendras à connaître. Alors, deuxième chasse au renard, balise 27 MHz, balise des amateurs radio, la Citizen Band. Voici donc un Rétévis Biband UHF VHF 25 watts. Nous avons notre chère amie Evelyne accompagnée de Serge. 14 GEF combien ? 120. 14 GEF 120, dont j'ai fait la connaissance au Maroc. Et qui est F1. Et qui est F1 également. Voilà, et il a une super femme parce que finalement, je pense que c'est lui qui doit faire les branchements dans le camping-car de la radio. Parce que vu comment elle a trouvé la balise, et ben franchement. Je tourne les antennes aussi. Voilà, donc. Merci beaucoup. On va de rien. Bon, il faut passer ta licence. Allez. Merci à vous. Merci à vous. Il ne faut pas rougir. Hein. Oh, c'est le soleil, ça. C'est en noir et blanc. Ben voilà. De quoi, l'altitude ? Bah oui, c'est au menu, là. Pas trouvé. Ouais. Ah non, fallait pas le dire. Ah, ils cherchent pas, ils sont avec nous. Moi, je dis, mais ils vont aux ordres du médecin dans une branche. Faut leur laisser trouver. Hein ? Oui. T'es où alors? Non, non, toi tu cherches, non, mais tu cherches. Toi tu l'as? Nascar. Toi, je savais que j'étais juste à côté. Après, faut jouer avec un atténuateur. Oui, t'atténues le signal et. Bah oui. Avec le licom, il y a ou pas? Petite chasse au renard, on est juste à côté. Avec le licom, le C105, il y a ou pas? Bah non. T'es arrivé toi? Je vais chercher ma mère. Voilà. Attends, je reviens là. La fameuse balisation. C'est con quand même. La banalisation. C'est qui l'a fabriqué ? C'est l'Eric là ? Bah je crois que c'est le. Oh, pardon. Voilà, voilà. Il n'y a pas l'antenne dessus. Non, non. Bah, elle est grosse. Non, mais il fallait quand même, on a cherché tout partout dans les arbres. Bon, vous pouvez la ramener, hein. Redonnez-moi là. C'est toi, Eric ? T'as fabriqué ? Bah super. Non, non, c'est pas moi celle-là. Ah, la petite, il n'y a même pas mis l'antenne, le salopard, pour compliquer la chose. Hein. Et ça devait tirer sec avec ça. Oui, bah, j'étais juste à côté de Pétaleur. Ouais, même si c'était loin, ça tire sec avec ça. Ah, quand on l'a atténué, je l'avais à fond ici, là. Ça, direction ça, là. Je vais retirer les radios après. Mais t'as pas vu la vieille vieille quoi. L'antenne qu'on avait essayé de faire avec les éléments. Oui, ils sont décalés. C'est une log périodique. Salut. Ça va ? On est sacré. Ouais, non, c'est pour moi. Ah, 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 c'est p